Bonsoir messieurs, dames. L'animateur prévu n'étant pas là, je le remplace, donc vous m'excuserez pour mon inexpérience. C'est une première pour moi. Donc, vous allez pouvoir assister à un défilé de mode organisé par EAPLAM, qui est une association dont la signification c'est « envie d'aller plus loin avec mon handicap ». Donc, je vous invite à les aimer sur Facebook, à aller se renseigner un peu. Toutes leurs actions sont pour améliorer les conditions, notamment de déplacement des personnes à mobilité réduite. Donc un petit exemple que j'ai appris avec eux, c'est-à-dire qu'à Divia, un couple en fauteuil roulant, c'est un par bus. Donc madame monte au premier bus et monsieur attend 10 minutes après le second. Donc voilà, c'est le genre d'exemple qui m'ont appris et sur lesquels ils luttent un peu pour qu'il y ait une meilleure accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Donc ce défilé de mode, ben, on remercie l'hôtel de la Cloche pour leur accueil. Et il y a les différents partenaires. Donc il y a les magasins Terre de Lune, Momi, les Galeries Lafayette, Jade, Loba, Nature d'Homme, Arthur, Claire de Femme, Monoprix, Note Bleue, Ici Gaston. Alors ça c'est pour tout ce qui est l'habillement. Et on remercie aussi le salon JP qui se sera occupé des jolies coiffures des mannequins et aussi de mes filles, dont une est là. Vas-y Jeanne, tu peux défiler, montre ta jolie coiffure du salon JP. Voilà. Donc il y a aussi Yves Rocher qui s'est occupé du maquillage. Donc je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'Yves Rocher, je vois son nom en bas. Voilà, on vous remercie. Il y a aussi C721 qui est une maquilleuse artistique qui, vous verrez, qui a maquillé deux mannequins sur une demande d'Olivier et Christelle qui sont les créateurs de l'association Envie d'aller plus loin avec mon handicap, donc qui sont plus des choses un peu tribales. Et aussi iCosplay. Alors iCosplay, c'est l'entreprise de Vincent Rodriguez Diaz qui crée lui-même ses tenues de cosplay. Donc vous allez voir, j'en ai vu deux, elles sont magnifiques. Donc voilà. On vous demandera d'éteindre vos téléphones portables pour deux raisons. C'est-à-dire que pour il y a des photographes professionnels donc, qui filment et on entend les bruits de téléphone et c'est extrêmement désagréable. Et aussi, par respect pour tout le monde, pour les mannequins qui sont comme moi, qui ne sont pas du tout professionnels. Et Arnaud, voilà la personne qui... dont c'est le métier. Voilà, je vous remercie. Dont c'est le métier. En tout cas, je ne suis pas garagiste, je viens de le voir. Voilà, quelques problèmes de voiture, merci beaucoup d'être avec nous. Alors je ne vous cache pas, je n'ai rien. Je n'ai pas de papier, je n'ai rien. Il y a tout Stinker là, écoutez, c'est formidable. Merci beaucoup, on va remercier tous les gens qui sont là avec nous, tous les gens qui vont défiler. On va remercier votre prénom. Fabrice. Merci beaucoup Fabrice, c'est très gentil. Oh, je ne suis pas si en retard que ça. J'ai mis un quart d'heure quand même. Non, ça va. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir attendu. Ah. Alors, on commence comment, cher Olivier? Commencer par un petit peu de musique. La musique, ça me semble bien. Dans 2 minutes, lancez. Allez, c'est parti, un peu de musique, on lance dans 2 minutes avec tous ces gens qui vont défiler, qu'on va applaudir très très fort. Avant, pendant, tout le temps. Parti avec Jules qui défile pour nous, avec une tenue de chez Arthur, une tenue pyjama classique et peluche de chez Momi. Ah, il n'y a pas la pluche. Oui, ça s'applaudit, ça s'applaudit. Et ça se fait bien, Jules. On peut le retrouver en pyjama chez lui aussi. C'était Jules avec cette tenue de Arthur, ce pyjama. Christelle, maintenant. Christelle, toujours avec tenue de Arthur, pyjama et peluche et deux momies.
la peluche, Arthur, et Moby. Bien joli pyjama. On va continuer dans les pyjamas. C'est un peu tôt, mais pourquoi pas. Avec Benoît. Benoît, tout pareil. Un pyjama de Arthur. Et la peluche qui vient de Moby. L'exercice n'est pas facile. Eh bien, on va rester dans les pyjamas. On reste dans les pyjamas avec Audrey. Audrey, mon pyjama, donc, toujours par Arthur. Et la petite peluche de Molly. Je crois qu'il s'agit d'une peluche dragon. Merci beaucoup, Audrey. Alan, maintenant. Alan avec un pyjama short de chez Arthur. Et puis la peluche de chez Moby. Un petit Naruto cette fois-ci. Arte Bayon. Allez, on accueille Laurent. Son pyjama Arthur et toujours la peluche dragon de chez Moby. Merci beaucoup Laurent. Tiffany, on va rester dans les pyjamas de Arthur. Et la peluche licorne de Moby. Touche le maquillage, on va aller se coucher en pyjama, c'est toujours sympa. Merci beaucoup à Tiffany. Attention, place à Jules. Encore Tiffany, là, Tiffany fait un deuxième tour. On ne sait pas, parce qu'on a envie, vous avez tous le maquillage à faire au fond. Tiffany qui porte toujours le pyjama, c'est incroyable, et la peluche qui corde. Ah, peut-être nous faire un troisième tour, c'est vraiment ce qui peut se passer. Et voici Jules, de retour. Toujours avec Arthur, un pyjama short. Ah non, vous avez enlevé tout ce qu'il y avait à enlever. Maintenant c'est boxeur, coupe du monde de rugby. La foule est en délire, mesdames. Il y a même des marques de bronzage, donc c'est pas mal. Allez, merci donc à Jules d'avoir fait tomber le bas. Mathilde, maintenant. Mathilde, tu portes une tenue. Ici Gaston. Ah oui, il faut faire le tour, Mathilde, quand même. Jusque vous, sous les applaudissements, bien entendu, vous vivez de la foule en délire. Mathilde, la tenue ici Gaston. Accueillons maintenant Rémi. Rémi, aligné par les Galeries Lafayette. Collection automne.
petite veste saillante. Qui me fait tomber. Allez, sur l'épaule. Yeah. Et les contrats qui vont tomber ce soir. Merci beaucoup Rémi, merci la galerie Lafayette. Pour Flora, habillée par la boutique, Claire de Femme. Mathilde nous présente cette fois une tenue de chez Loba. Très joli manteau. Une tenue de vie, facile à porter tous les jours. Accueillons Mohamed avec une tenue des Galeries Lafayette. Avec une tenue Jade, il y a Liane. Donc on a une belle arrière-saison pendant ce moment, une tenue idéale. Toujours habillée par Jade, Laura défile. Par Jade. On accueille maintenant Aurélie avec cette fois une tenue Monoprix. Super tenue. Super modèle. Dorine, attention, avec une robe originale, une création personnelle à l'effigie de la boutique Momi. Hein ? Elle n'est pas encore arrivée. Elle doit être dans ma voiture, peut-être, je ne sais pas. Audrey ? Allez, Audrey, cœur de femme, c'est parti, Audrey. Ça donne de très très bonnes idées pour cette école, merci beaucoup André. Du coup, bah, Audrey, vous faites un tour, hein. Allez-y. Hein. On n'en a jamais assez. Alan, avec une tenue nature d'homme. Ça lui va mieux que pizza short. Hein. C'est pas contre toi, Alan. Donc une tenue nature d'homme. Alors, Christelle avec une tenue cette fois avec le concours de Terre de Lune. Merci beaucoup Christelle. Tenue Terre de Lune, Benoît, habillé par Note Bleue. Et la
ranger son pyjama. Tenue chic. Veste. Personnelle à l'effigie de la boutique Mobi Librairie, autrefois un menu manga, avec une base en coton satin, noir et jaune, et recouverte des sacs en papier de l'enseigne. Très original. Laurent, ah, cette fois c'est une tenue Monoprix. Avec le concours de Monoprix. Laurent, il fait bon, on fait tomber la veste. Ah, tout en descendant. Alors, Tiffany. Ah, Tiffany. Une tenue Loba. Tiffany habituée va nous faire un deuxième tour. Ah si, comme tout à l'heure, attends. Allez hop, on y retourne. Merci beaucoup pour ce deuxième tour, Tiffany, avec cette tenue avec le concours de Loba. Jules. Ah, Jules. Avec cette fois une tenue Nature d'homme. Garde la veste en toutes circonstances. On va retrouver normalement maintenant Mathilde. Mathilde avec une tenue ici, Gaston. Je vais en profiter bien sûr pour remercier tous nos partenaires mode pour cette soirée. Terre de Lune, Momi, Gabriel Lafayette, Jade, Loba, Nature d'Homme, Arthur, Claire de Femme, Monoprix, Note Bleue, Ici Gaston, Salon JB, Yves Rocher, Célicelle 21 et iCosplay. Merci beaucoup pour la participation de tout le monde. On va continuer bien sûr ce défilé avec Rémi. Rémi, une tenue de Gabriel Lafayette. Toujours chic. Une tenue portée avec le concours de Claire de Femme, il s'agit de Flora. Habillée une nouvelle fois par Joba, retrouvons Mathilde. Mathilde qui cette fois a laissé tomber le manteau.
Liane est habillée par Jade. Toujours prête pour une petite sortie à la cloche. C'est une très belle robe. Était sacrément haut au talon d'ailleurs. On trouve Mohamed habillé avec le concours des Galeries Lafayette. Mohamed. Avant d'aller plus loin, un grand merci à cette association qui nous permet de nous rassembler ce soir. C'est envie d'aller plus loin avec mon handicap. J'aimerais qu'on les applaudisse très fort. Merci beaucoup. Ah, Mohamed a entendu les applaudissements. Bienvenue. C'est un rappel. Est-ce qu'on est prêt à accueillir Laura, qui est habillée par Joie? Audrey, c'est bien aussi. Audrey est habillée par Claire de Femme. Une tenue magnifique, ça tombe bien, c'est bientôt Noël, retenez bien. Pour la suite, Laurent est habillé avec le concours de Monoprix. Ah, pas de veste cette fois-ci pour Laurent, ça va pas être facile. Alan, habillé avec le concours des Galeries Lafayette. Très chic. Effectivement, une tenue qu'on peut porter à la cloche. N'oubliez pas. Très bien. Parfait. Recevons Tiffany. Christelle. Aussi. Cette fois-ci, Christelle, habillée par Terre de Lune. Est-ce qu'on a Jules pour nature d'homme? Laura. Jade? Alors Laura, habillée avec le cours de Jade cette fois. Ah oui, ça s'applaudit, on encourage. François Pralus, la MME, le Crédit Agricole de Bourgogne, Carbillet, la Maison Carbillet aussi, bien sûr le Grand Hôtel de la Cloche qui nous rejoint, et puis la ville de Dijon, sans oublier Grand Cassis qui sont nos partenaires aussi pour cette soirée. On les remercie beaucoup, je pense qu'on peut applaudir aussi ces partenaires.
Vous applaudissez beaucoup ce soir, c'est normal. La fin de la soirée, il faut en ramener. C'est comme ça. Pour la suite, Jules. Jules, habillé par Nature d'Homme. De superbes collections ce soir avec, avec le partenaire mode. Est-ce qu'on a Benoît qui se prépare? Ah, très bien, Benoît, habillé par Note Bleue. Merci beaucoup, Benoît. La veste sur l'épaule, avec moule. Mathilde avec une tenue Flora. Flora avec une tenue de Claire de Femme. Un petit sac, très sympathique pour en maison nécessaire. En soirée ou au travail. Vincent serait-il prêt? Vincent avec une robe de cancan en velours noir et parsemée de strass, tirée du film Moulin Rouge et du personnage de Perry Queen. Magnifique! Avec le concours Tegos Cosplay. Pas de blessure, pas de blessure. Magnifique. À porter tous les jours, je sais pas, mais en soirée, pourquoi pas. Mathilde. Mathilde, qui porte une tenue, ici Gaston. C'est une tenue ou pas? Comme excuse. Donc on refait. Mathilde donc avec une tenue Loba. Pardon? C'était Mathilde? Bah oui, j'ai pas dit ça. C'est pas grave. Continuons, enchaînons. Bon. Mathilde. Avec la tenue ici Gaston. Je vous explique qu'on me fait des blagues en coulisses. C'est pour me faire payer mon retard. C'est bien. Rémi. Rémi, habillé cette fois-ci par Nature d'Homme. Rémi qui va faire tomber la veste, trois têtes sur l'épaule. Ah, il hésite. Liane, habillée par Jade. Mohamed avec une tenue Galerie Lafayette. Audrey. Ah bon? Audrey. Claire de Femme.
et cette fois-ci Mohamed, avec le concours des Galeries Lafayette. Ah, très joli, n'est-ce pas ? Très pour l'after, Mohamed. Est-ce qu'on recevrait Mathilde Aulu ? Ah, le temps de remercier bien sûr tous nos partenaires mode, hein, on n'arrête pas de les citer, mais c'est très important. Terre de Lune, Momi, ils ont fait des robes exceptionnelles, Momi. Galerie Lafayette, Jade, Loba, Nature d'Homme, Arthur, Claire de Femme, Monoprix, Note Bleue, Ici Gaston, Salon JP, Yves Rocher, Célicel 21 et AE Cosplay. Et bien sûr, l'association ne l'oublie pas, envie d'aller plus loin avec mon handicap. Merci à eux de nous avoir réunis, de nous avoir fait confiance. Aurélie. Monoprix. Aurélie pour un deuxième tour. Merci à tous ceux qui défilent ce soir, qui ont su dépasser certainement le stress, la peur pour défiler devant vous. C'est quelque chose de très très fort pour eux. Bravo à eux. Jules, les Galeries Lafayette. Jules est donc taillé en V, et le costard lui va ravir. Juste après. Laura, cette fois, avec le concours de Jade. Une tenue qu'on peut qualifier de chic et détente. Allons-nous retrouver Christelle pour la suite ? Ah, Christelle avec une tenue Terre de Lune. Pardon ? Oui, bah, je vous en prie. Christelle, donc avec Terre de Lune qu'on va accueillir tout de suite sous vos applaudissements, bien entendu. Extrêmement nourri. Et pour les amis, c'est Terre de Lune. Christelle qui a gagné un tour gratuit. Il y a qu'à demander. Sommes-nous prêts à recevoir Alan ? Alan avec une tenue Nature d'Homme. Il est suivi normalement de Rémi. Habillé lui aussi par la Nature d'Homme.
Rémi, cette fois, j'en suis sûr, va faire tomber la veste. Magnifique lancée de veste. Pour la suite, Mathilde. Liane. Avec une tenue jade. Merci beaucoup, Liane. Recevons Audrey. Mathilde. Recevons Mathilde. Avec ici Gaston. Magnifique tenue depuis le début de la soirée avec ici Gaston. Merci beaucoup à Mathilde. Avons-nous Audrey? Ah, Audrey, une tenue claire de femme. Avant de continuer, quelques remerciements pour les coiffures. Merci beaucoup à Salon JP pour le maquillage, c'est Yves Rocher. Le maquillage tribal d'Alan et Christelle, c'est Célicelle 21. Et les cosplay, bien sûr, pour les tenues de cosplay. Ah, il s'agit de Rémi. Non, Benoît, et notre bleu. Avec la petite touche Halloween dans le foulard. Merci beaucoup Benoît et Note Bleue pour cette tenue. Et enfin, Tiffany, habillée par Loba. Fanny qui exceptionnellement va nous faire deux tours. Alors, on va faire trois. Allez. En duo. Merci, mademoiselle. Passage final avec tout le monde. Allons-y. Ils sont tous là. Tiffany, Benoît, Audrey, Yann, Mathilde, en avons plusieurs, Rémi, Alan, Christelle, Laura, Jules, Mohamed, on applaudit tout le monde. On a Audrey. C'est le final, hein, peut-être. Bravo à tous, merci beaucoup. Vous avez été fabuleux. Merci d'avoir donné de votre temps, de votre énergie pour venir défiler ce soir. Merci à tous d'avoir joué le jeu. Allez Benoît, un dernier tour, sous les applaudissements.
un grand merci à l'association Envie d'aller plus loin avec mon handicap qui nous a réunis ce soir, qui nous a montré de très très beaux modèles. Bien sûr, ces modèles, vous les retrouvez en magasin, hein, avec Arthur, avec Terre de Lune, Momie, Garde de Lafayette, Jade, Lopa, Nature d'Homme, Pierre de Femme, Monoprix, Note Bleue, ici Gaston. Pour la coiffure, Salon JP, maquillage Yves Rocher, maquillage tribal d'Alan et de Christelle qui était superbe, c'est Célicel 21. Et puis les tenues que vous avez vues, la robe de Cancan, eh bien, et la tenue, la robe avec le jaune qui était superbe, c'est AE Cosplay. Merci à tous. Je pense que vous pouvez aussi vous applaudir, tant qu'à faire. J'espère que vous avez passé une excellente soirée et que vous avez fait votre piste de course pour les pubs, parce que, à mon avis, ça va partir comme des petits pains. Merci à tous.